D'accord. Top. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. On le répétera, mais bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Un petit coucou à ceux qui sont sur Twitch en vocal avec moi. Bienvenue à l'aéroport Toussaint Louverture. Il est ouvert d'ailleurs l'aéroport de Port-au-Prince sous les orages et la pluie. Alors les orages à mon avis c'est normal, c'est l'habituel dans Flight Simulator. Un peu chiant d'ailleurs, mais c'est pas grave, on fait avec. Mais la météo est super belle. Bienvenue dans ce vol Asgard Airlines numéro 31 à destination. Qu'est-ce que tu fais en petit avion Isdran à côté de moi là? Mais c'est pas grave, j'ai pas de complexe. Sauf avec les 747. Donc on va au Salvador, San Salvador. Je vous montrerai très vite la carte de Navigrave ici. Donc pour ce vol, parce que j'ai découvert qu'on pouvait importer le plan de vol dans Navigrave, c'est formidable. On va donc partir de Port-au-Prince vers 14h30 heure locale. On va se diriger ensuite vers la Jamaïque. On va traverser la mer des Caraïbes. On va rentrer ensuite du côté du Honduras pour ensuite arriver à El Salvador et San Salvador sur la prochaine fois qu'on verra l'océan Pacifique. Tiens. Ouais, c'est le Pacifique, ah bah oui, c'est parfaitement, c'est le Pacifique, pour environ un vol de 3 heures à arriver 15 heures heure locale là-bas, parce que bah, il y a 2 heures de décalage, il y a 2 heures en moins du côté du Salvador. On fonce donc vers l'Amérique centrale. Ça va être un très 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 chouette vol. Il fait une trentaine de degrés. Je suis sûr qu'on va avoir des très très beaux paysages. On se retrouve sur la piste pour le décollage. Et pour tout après, toutes les informations, plus d'informations plus précises concernant le vol. Voilà, en bout de piste, piste 28, l'aéroport de Port-au-Prince, presque bien aligné. Les bruits des moteurs de l'A300, de l'A32NX ont changé et c'est très très perturbant. Le son aussi, il y a Serena qui est en vol là-bas, il y a Val qui est juste derrière. Devant moi, il y a Aliar, il y a Watch Dogs, Pirates, Whiskey Alpha, Maverick, on est prêt à décoller. Première altitude, 13 000 pieds, vous savez la phrase habituelle, j'espère que j'ai rien oublié. Mais franchement, je ne promets rien. On va espérer aussi que ça va aller au niveau de la vitesse verticale. J'ai toujours la PU d'enclencher alors que ça ne sert absolument à rien, ce gars. Donc ça, c'est franchement, c'est des conneries. Le fait d'avoir enlevé la PU, ça vous a tous enlevé. Mais c'est bien, j'ai une piste dégagée comme ça. Ok. Alors, ok. Disons que bah du coup c'est parti. Eh bien le bonsoir Razion, on reste calme, on reste calme. Et bonsoir Stiz. Et bienvenue. Et décollage. C'est marrant, c'est la première fois que l'ATC me demande une vitesse limite au décollage. D'accord. Ah bah je vais voir si j'ai ça aussi, tiens. Ouais, c'est très bizarre comme Yves m'a demandé de rester à en dessous de 185. 100. Merci White Shadow. En dessous de 185 au décollage? Ouais, ouais. Avec un A320, ok. Non, avec un 787 en plus. Ah, d'accord. Donc, inutile de dire que je n'ai pas... Ouais, évidemment. Très sympa le décollage. Très cool. Gear up. Bien plus sympa comme décollage. Hein. Bien plus sympa. Vraiment très cool. On relève le volet parce que c'est marqué S. Ouais, vitesse verticale beaucoup mieux prise en compte. Altimètre 29,82. Enfin, beaucoup mieux, ça va. Ah, splendide, vraiment magnifique. Salut Chanchon. Ah, et franchement sympa. Et alors c'est joli, et le son est assez beau, on s'y fait. Ouais, Pantheron, mais moi, la mage de la 32NX, ben, je la teste là, et franchement sympa. Comme d'hab, quoi. Décollage sympa, ils ont pas gueulé.
je trouve que dans la cabine, on a plus le bruit d'air, en fait. Oui. L'air un peu extérieur. Ouais, ouais. Et par contre, le bruit extérieur des moteurs est complètement différent. Hein. Ouais, c'est clair. On va mettre le... Non, franchement, en vitesse verticale gérée, ça se gère très bien. Je trouve que le... Quoique la vue extérieure, ils l'ont rechangé parce que c'était... Oui. Il y a quelques jours, c'était ahurissant, quoi, le son en vue extérieure. Ouais. Là, ça va, quoi. Ouais. C'est même un peu trop étouffé, je trouve. Oui. Oui, oui, je pense que... Moins ouais. Fort, ouais. C'est la version dev. Oui, c'est la version dev. C'est un update, ouais, ouais, c'est la version dev. Moi, je prends à chaque fois les versions dev. Et honnêtement, c'est cool, là. Franchement, ça se passe super bien. Et c'est magnifique. Et je suis très content parce qu'ils ont pas gueulé. J'ai vraiment pu trouver le décollage très fluide. Alors, il faudra voir au... Voilà. À l'usure. Mais splendide. Vraiment très, très sympa. L'image est bizarre. C'est-à-dire, dis-moi. Bah, en l'air, là, j'ai tous les nuages qui sont très blancs et on voit pas bien la différence avec le ciel. Oui, j'ai le même problème. Ouais. Je trouve que la luminosité extérieure est... Vous êtes en HDR ou pas? C'est pas le motion blur. C'est... Allez, il y a un problème avec un micro. C'est pas le motion blur, ils ont rajouté ça. Les extraterrestres sont arrivés, je crois. Version dev, c'est sans mode, c'est ça? Je sais pas, sans mode. Oui, j'ai la météo réelle. Alors, c'est peut-être le motion blur qu'ils ont rajouté au niveau graphisme. Le motion blur, alors je sais pas ce que c'est exactement. Le motion blur, c'est le flou de mouvement. Ah oui, donc non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, alors, ouais. Effectivement, je dis n'importe quoi. Mais je trouve aussi que la luminosité extérieure dans les nuages, elle est un peu trop forte. Ouais. C'est vrai que c'est un peu blanc, ouais. Après, c'est peut-être des réglages à faire. Je sais pas trop. Ils travaillent beaucoup sur l'optimisation et je pense qu'ils testent des trucs. Mais oui, ça m'a l'air un peu plus lumineux, on va dire. Après, donc, comme je demandais, ouais, je sais pas si qui joue en HDR et qui joue en SDR, peut-être qu'ils ont mal réglé un des deux. On a aucune idée, ça je peux pas répondre. Moi je joue sur un téléviseur HDR et du coup c'est un peu plus blanc mais ça reste encore bien distinguable quoi, c'est peut-être pas aussi fort que chez vous si vous êtes en SDR. Je sais pas. Ça je vous avoue je peux pas. C'est dans les options graphiques en fait, mais faut avoir un écran compatible, c'est tout. Ah ouais, je vais pas regarder. Alors on va continuer en altitude gérée jusqu'à. Voilà, jusqu'à 20 000 pieds. Pour le moment ça se passe super bien. On va regarder un peu après les infos sur le vol. Alors, je vais répondre aussi à vos questions. Ils ont rajouté des boutons actifs. J'ai pas vu encore ça. Excusez-moi, mon inculture, c'est quel pays en Salvador? C'est le Salvador, chonchon. Je vais en parler après. Désolé pour la question bête, Asgard, mais tu as pris le plan de vol qui est sur le site? Oui. Salut Pépé, bienvenue. Emrico, il y a une option full moment que j'ai désactivée. JPR 56, c'est le micro qui passe dans l'œsophage. Ça peut arriver. Voilà, on est tous en vocal, ça peut arriver de temps en temps, c'est pas très grave. Salut, ils ont réglé les problèmes avec le pilote auto, car j'avoue, il y a deux jours, j'ai fait un vol au bout de 20 minutes, l'avion est vite parti en vrille. Alors, par rapport au problème de pilote automatique, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Ça peut être la sensibilité de votre joystick à régler, c'est la zone morte, des axes du joystick à régler dans les options sensibilité. Les problèmes de cap... Dans le pilote automatique, c'est ça. Sauf, je sais pas si ça existe encore, ça, on a parfois un problème en approche où il va directement vers le point là. Mais sinon, voilà. Ouais, c'est toujours aussi beau. Hein. Ça, par contre, voilà. C'est vrai que la luminosité est différente, mais les paysages. Alors, a priori, là, pour régler le problème de la luminosité, ça va peut-être jouer sur l'occlusion ambiante dans les menus. Typiquement, un problème d'occlusion ambiante peut-être un peu trop forte dans les menus graphiques. D'accord. Salut Douli et bienvenue. Elles sont des moteurs, hein, Twenty, ouais. Ouais, et par contre, moi j'ai nettement. Une amélioration de la fluidité, c'est dingue.
J'ai l'impression que dans le cockpit j'ai une paire de fluidité, mais c'est, je sais pas. Toi? Ouais. Ah bah moi par contre moi je trouve que c'est mieux que il y a. C'est possible. C'est possible. Ah, c'est affreux. Passe en standard. Ouais, vas-y. Irréel, la 320 a un son très. Le son des réacteurs a un son très différent entre la 320 classique et la Neo. Ok, et tu trouves que. Il a vraiment son particulier. Ouais, il a vraiment son particulier. Ben, j'ai pas téléchargé encore le 30. Ok, NX, d'accord. Dire, ok. Là, tu as donc été resté en altitude gérée, toi, Asgard. Complètement, et il a très ouais. bien fait. Après, j'ai bien suivi, okay. Vous rentrez les volets quand c'est S, etc., etc., quoi. Voilà. Ils ont pas rajouté la V1. Mais oui, évidemment. Oui, vas-y. T'as géré aussi, j'ai vu. Ouais. Okay. Franchement, super bien fait. Perso, j'ai décollé en flex. Alors d'habitude, je décolle en toga. Et il a très bien géré le flex ici. Hein. C'était assez impressionnant. Quelle est la différence exactement? Toga, normalement, t'es censé décoller que quand t'as des pistes courtes ou genre de choses. Normalement, t'es censé décoller en flex. Ouais, parce qu'en fait, le flex fait décoller avec un régime moteur moins important, c'est pour cramer moins de carburant et moins user les moteurs. Donc flex, c'est l'avant-dernier cran avant c'est le toga, c'est ça. L'avant-dernier cran, exactement. Mais il faut rentrer des paramètres dans le MCDU, notamment la température moteur souhaitée au décollage, au démarrage, des choses comme ça. C'est quelques trucs à paramétrer pour que le MCDU calcule au mieux la poussée à donner à l'avion. C'est quoi le paramètre graphique dont tu as parlé juste avant? Occlusion ambiante. Occlusion. En intermédiaire, j'ai diminué, je vois pas vraiment la différence. Hein. Pas sûr que ce soit ça. Ok. Moi j'ai des problèmes avec les boutons qui montent et descendent d'un coup sans arrêt, la souris en réglage, a priori ça ne fait qu'au deuxième vol et pas au premier. Alors, fantôme. Sinon, blague à part, parfois en zoomant et dézoomant sur la carte VFR. On fait des clics malencontreux en fait. Bien, on reviendra sur la question du réalisme peut-être un petit peu. Voilà, les sons réalistes, est-ce que le jeu est réaliste ou pas? C'est vrai que c'est une question sur laquelle on reviendra. Je vais juste maintenant m'occuper un petit peu du vol. Et de vous montrer un petit peu tout simplement le programme. Par rapport à ce vol, donc quand on regarde le fichier PDF, non, c'est la 320 NX, c'est la 32 NX. Hein. Moi je joue pas avec la 320 de base. Donc on a une altitude de croisière qui va se situer à 360 et parfois même 350. Je vais rester à 360 à 36 000 pieds. Voilà ce qui est annoncé. Au niveau ici, on n'aura pas de turbulence, donc on a que du 1 et du 2, donc ça va. Et une arrivée prévue à El Salvador, sur la piste, ils m'ont prévu initialement la piste 25. Voilà. Au niveau de la météo. Au niveau de la météo. À MSLP, on a du vent variable à 2 nœuds là. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est prévu dans ce fichier PDF. Peut-être 22 à 10 nœuds. Et alors, non, ça nous concernera pas la pluie. Et les orages, ça nous concernera pas. Enfin, les orages sûrement, mais ça. On s'y fait. On fait toujours ça. Ouais. Un vent 220 à 10 nœuds, alors qu'ils m'ont prévu la piste. Il faudra voir. Parce que ces données météo datent de quelques heures en taf. Et ils ont prévu la piste. J'ai déjà oublié. Ils ont prévu la piste 25. Ok. Ça me semble logique. Telef, tu as laquelle? Toi, tu sais pas encore. Ok. C'est normal si nous n'avons pas entendu la réponse. Voilà. On va donc partir et privilégier actuellement la piste 25. Je vérifie donc bien ici que c'est celle-là qui me donne. Voilà. Et donc,
pour la piste 25 selon Navigraph. Alors qu'on survole toujours Haïti selon la piste 25 selon Navigraph. Donc Runway 25, bah, c'est exactement ça qui me met. Donc ça sera donc... ça serait pas mal la piste 25 en fait. As-tu M1M? Ok. Et au niveau approche, donc on est bien à TUM, et l'approche, il y a une RNAV 25. Avec Atuma comme transition. Bizarre. Non, non, c'est très bien comme ça. Avec Atuma comme transition. Ça sera donc la RNAV X Runway 25. C'est ça que t'as pris, t'élèves? Je sais pas si t'élèves est encore là. J'ai l'impression que oui. Ok, mais peut-être... Oui, mais il est muté. Oui, il nous entend pas alors, je pense. RNAV 25X. Ok. Nickel. Les nuages sont bizarres, je trouve, vraiment. Ouais. Ils ont forcé les potards sur la luminosité de l'extérieur. Très clair, je sais pas, c'est très clair. Ouais, c'est vrai. 360 pieds, on va monter maintenant. FL360. Ok. Je vais enlever les ceintures et je vais leur proposer un petit verre d'alcool. Je viens de voir... Va voler au-dessus du coulant, j'ai vu de beaux bocs de terrain avec un pic qui monte à 30 000 pieds. Ah, génial ça. C'est pas Simbrief là, ça c'est Navigraph. Voilà. Je fais les plans de vol sur Simbrief et je les importe et sur SimToolKit et sur Navigraph. Lithium, bonsoir, j'espère que tu vas bien. La mise à jour n'a pas fait que des trucs bien. C'est possible, mais ça, ouais, c'est possible. Hein, ouais. Ça perturbe beaucoup nos habitudes. Alors, très honnêtement, en termes de. Pas pour tout le monde, mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont plus posés et qu'ils vont moins vite et que les bugs qui empêchent complètement le jeu. Enfin voilà, je veux dire, ça fait quand même deux mises à jour qui font qu'on n'a pas. J'arrive plus à faire ça quoi. Alors je préfère avoir de temps en temps les joueurs en multi qui disparaissent ou les nuages qui sont peut-être un peu moins beaux et je me dis qu'ils corrigeront ça plus tard quoi. T'as ton TBM qui vole en crabe avec la paix, ok. Est-ce que tu as réglé la sensibilité de ton joystick maternel? Voilà. Parce que là, typiquement, je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais en vue cockpit, si vous centrez la caméra principalement sur les instruments de vol, ce qu'il y a au niveau des vitres à l'extérieur, c'est complètement blanc chez moi, en fait. Et si en montant la tête, c'est les livrets. Choc de du détail. Ah oui? C'est en fait il y avait déjà implémenté depuis avant le fait que il y avait un petit temps d'adaptation entre quand on regarde dehors et quand on regarde à l'intérieur. Ça c'est l'occlusion ambiante typiquement. Sauf que là c'est trop fort, ils ont un peu trop poussé les potards, je pense. Alors on peut la réduire, tu veux dire? Alors après pour moi c'était peut-être dans le menu graphisme, peut-être carrément la supprimer, peut-être qu'en la supprimant ça supprime l'effet, je vais regarder. Tasgar, t'as pas désactivé le flou de mouvement, toi? Non, j'ai pas. Ouais. Je devrais. En général, sur PC, on l'enlève quand t'as une très bonne qualité. Ça se fout de l'image, sinon, quand tu bouges. Ah, j'ai toi, pas t'as un très bon PC, désactive-le, en fait. Ça, j'ai jamais remarqué. Ça donne la gerbe. Je le vois même en 440p, je le vois. Hein. Ok, mais je me rends pas compte. Mais merci beaucoup de me l'avoir dit. Sur les très bons PC, vu que t'as assez d'images secondes, ton œil, il faut mieux tout voir plutôt que flouter... Ça rajoute un effet à l'œil où nous, quand on tourne la tête, on... C'est le flou de mouvement, tête. C'est ça? Ouais, motion ouais. Blur, ouais. Tiens, tu l'as là. Tu désactives ça, là. C'est... Ok. Désactive complètement. Et Fred, l'anti-aliasing, il faut le mettre comme pour que ça soit le mieux. Ah bah, ça, c'est... TXA, c'est mieux. Il faut le mettre à fond, ouais. Là, le maximum. DLA. TXA. TA, bah. TA. Alors, si genre... TAA. Ouais. Ok, merci. Si je regarde ici,
Cette approche-là, elle sera nickel, voilà. Et au fait, on me fait passer ici pour éviter certainement les montagnes. Donc on va insérer cette approche-là, MSLP 25. Nickel, parfait. Ok, donc ça, c'est bon. Plus besoin de kicker au démarrage du jeu, mais évidemment, mais c'est énorme, ça. Je trouve que l'ATC a progressé, mais toujours quelque... Ah non, mais oui, mais ça, du côté de l'ATC, n'attendez rien, franchement. N'attendez rien. Pas tout de suite, en tout cas. Peut-être un jour, mais pas tout de suite. Voilà, quoi. Alors, quelques infos, justement, sur un logiciel qui s'appelle Pilot2ATC. Que j'ai testé et j'en remercie d'ailleurs Baz de m'avoir accompagné là-dedans. Je vais vous le montrer ici. Je pensais en faire un tuto dessus, mais je ne le ferai pas. Voilà, Pilot2ATC qui est donc un nouveau qui remplace l'ATC. Au fait, ça ne le remplace pas. Il suffit de désactiver les voix de l'ATC dans le jeu et vous le remplacez par les voix de ce nouveau logiciel. C'est un logiciel qui existe déjà sur X-Plane et peut-être même qui existait sur FSX, je n'en ai plus aucune idée. Il a l'avantage, après une configuration assez périlleuse, hein, c'est pas très ergonomique et très user-friendly, donc il faudra que vous passiez par des tutos ou par l'aide de quelqu'un qui l'a déjà. Il a l'avantage d'être, de vous permettre d'abord d'importer votre plan de vol dans l'ATC et de faire en sorte qu'il gère assez bien... Attention au micro. Et de faire en sorte qu'il gère assez bien les seeds, les stars, les altitudes aussi. Et donc je pense que voilà, en termes de il est complet en termes de procédures de vol et ça c'est cool. Il y a même plein de procédures de vol en VFR, en IFR et ça c'est bien. Il y a la reconnaissance vocale aussi qui est cool. Donc vous pouvez lui parler, il vous répondra. Après, moi, je l'utiliserai pas parce que je trouve l'interface peu ergonomique. Ça prend toute une feuille, tout un écran, un second écran. Espérez pas utiliser ça si vous avez qu'un seul écran ou alors il faut vraiment beaucoup d'agilité. En tout cas, c'est mon ressenti. On va laisser le pilote parler. Voilà. Et donc... Donc voilà, faites-en un test si vous voulez. Voilà, il y a des gens qui l'utilisent comme dans l'Asgari comme base, donc c'est peut-être, je veux pas lui envoyer tout le monde, mais voilà, ceux qui le connaissent, voilà, n'hésitez pas à aller le trouver si vous avez des questions. Moi, je l'utiliserai pas. Il y a moyen aussi de l'utiliser sans reconnaissance vocale, mais les menus sont trop petits. C'est beaucoup moins intuitif qu'un logiciel comme ProATCX que certains avaient pu tester sur Flight Simulator 10, par exemple. Donc voilà, j'attendrai d'autres choses, j'imagine que ça se développera pour avoir un ATC qui respecte un petit peu plus, on va dire, au moins votre plan de vol en termes d'altitude et notamment en une approche où il fait souvent faire n'importe quoi. Donc voilà quoi. Et salut Maverick. Aucune idée, ça, je peux pas t'aider là-dessus. Alors, télécharger, délivrer, moi je les ai pas retéléchargés, je les ai laissés. Voilà. Alors, on va accepter le transfert de. Sur la Jamaïque. Et je vais vous parler aussi du live Twitch des développeurs qui a eu lieu cette semaine-ci. Donc là, on est le 30 octobre, donc 128-100 ici. Voilà, contacter Kingston Center. Alors, si je vais dans Pilote Virtuel, voilà, donc c'est le site Pilote Virtuel, un très bon forum que je vous conseille, pilotevirtuel.com. Souvent de chouettes informations. Et ils ont donc fait. Il y a quelqu'un là-bas qui a fait un petit résumé du live Twitch avec quelques informations. Par rapport donc à ce que les développeurs ont annoncé. Je vais essayer de vous le retrouver. Bim, 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 bim. Voilà.
Et donc, les informations que ce Thomas sur le forum a repérées, l'update 6 qui nous attend donc visiblement en novembre, j'ai pas la date exacte, va améliorer les performances, gain de 6 à 10 FPS grâce à une meilleure optimisation du CPU, un meilleur hyper trading et plus de bottleneck, je sais pas ce que ça veut dire. L'update 7, donc avant la fin de l'année, fin novembre peut-être, va comprendre 4 aéroports américains importants, Dallas, Atlanta, Newark et visiblement un autre. Et bonjour à celui qui nous rejoint. Ouais, c'est qui nous rejoint. Bonsoir. Donc ça sera avant la fin de l'année. Ils vont faire de nouveaux avions 3D pour le trafic. Ça, c'est dans une update suivante. Donc ça, c'est prévu. Ça n'avance pas pour les livrer en jeu. Ils ont des problèmes de contact avec les compagnies aériennes pour utiliser les livrer, les incorporer directement en jeu. Ils vont essayer d'améliorer les textures la nuit. Et ils invitent les créateurs de mode, et en particulier Fly-by-Wire, à les contacter directement par mail. Donc voilà, ça, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Mais donc voilà les dernières informations qu'il y a. Alors, ils n'ont donné aucune explication pour les éclairs qui sont trop nombreux. Ils n'ont pas parlé visiblement. Voilà. Voilà à peu près ce qu'ils ont dit. En tout cas. Ah, d'accord. Le bottleneck, c'est le goulot d'étranglement. C'est quand, en fait, le processeur bride la carte graphique parce qu'il a trop de choses à faire par rapport à la carte graphique. Ok. Mais s'il y a bien un truc, en tout cas, qu'on ne peut pas leur retirer, alors c'est parfois au prix de quelques ajustements graphiques qui devront être corrigés, mais c'est vrai que la fluidité est assez impressionnante quand même, quoi. Pour un logiciel pareil. Ce que j'apprécie beaucoup ici, hormis l'éclair qu'on vient de voir passer, c'est les couleurs. Hein. La luminosité de l'eau en bas est quand même assez sympa. Mais c'est vrai que les nuages sont un peu différents, mais c'est pas gênant. Par contre, le logiciel ROX, hein, Weezer, que j'ai retesté l'autre jour, honnêtement, je vois pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Ce jeu, même en matière de simulation de météo, j'ai essayé sur Bruxelles un jour où il faisait vraiment gris et je trouvais que ça rendait mieux dans Fly Simulator. Quoi. Voilà. Donc c'est petit, mon cher. Oui, après tout ça, ce ne sont que mes avis. Hein. Si ça tombe, il y en a qui vont trouver ça génial et ils auront sûrement raison aussi. Je regarde un peu sur Facebook, quoi. Il y a un peu tous les avis et les contraires. Hein. Il est encore pas mal buggé apparemment, les changements de météo sont un peu brusques. Et c'est vraiment, ils veulent vraiment la simulation et ils veulent la théorie de la simulation. Normalement, ils ont fait le test à un endroit, donc ils généralisent. Mais. C'est pas dit que partout il y ait les bonnes infos ou il y ait les infos exactement en direct. Celle du jeu est tellement bien faite que c'est vraiment chipoté, quoi, je pense. Moi, je suis posé. Ah, super, Télev. Tu as réussi à faire la RNAV ? Il m'a donné une ILS-7. Ok, d'accord, ok. Faites attention. Effectivement, à l'arrivée de la piste, il n'y a quasi pas de vent, donc. Ok. À voir, ok, c'est bon à savoir. Salut, me le dit. Alors, par rapport à ce que disait Fred, en fait, ce qui pose plus de problèmes, voilà, donc ça, après, c'est un avis plus personnel, est-ce qu'on veut une météo plus réaliste ou pas, c'est à voir, je pense qu'effectivement, la météo du jeu est suffisamment bien faite. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est l'historique, voilà, plus de ne pas se retrouver avec 40 degrés en pleine nuit ou ce genre de choses, mais ça, c'est personnel, hein, c'est pas... Voilà. C'est vrai que là, j'ai pas allé vérifier que la météo au-dessus de la Jamaïque ou à l'approche de la Jamaïque est vraiment la bonne. Ça, c'est clair. Là, je m'en fous. Voilà. C'est... Ah, Dark, comment vas-tu? J'ai reconnu la voix. Ça va. J'avais pas Discord sur. Je voyais pas Discord. Alors, ce qui surprend un petit peu les gens, si vous voulez, un bon suivi d'informations en anglais, vous avez un grand forum communautaire qui s'appelle AFSIM. AVSIM, qui est vraiment très 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 bien fait. Bon, c'est en anglais, mais bon, maintenant avec les logiciels de traduction intégrés au navigateur, c'est assez facile à suivre. Et au fait, ceux qui font ActiveSky, hein, ceux qui se souviennent des logiciels ActiveSky sur les anciens Flight Simulator, et même sur X-Plane, je pense, et sur P3D,
donc IFI, je prononce avec l'accent français, eh bien, eux ont déclaré que faire un logiciel qui améliorait la méthode en Flight Simulator n'était pas possible actuellement, avec tel que le SDK. Alors, le SDK, c'est ce module qui permet, en tout cas, qui partage un petit peu les données du jeu pour les add-ons. Le SDK actuellement ne permet pas de faire ça. Et donc, beaucoup accusent à ce moment-là REX d'avoir été un petit peu trop dans le. On veut sortir un logiciel météo en premier. En tout cas, ce logiciel ne fait pas l'unanimité. Donc voilà. Moi, je l'ai acheté. Je regrette pas. C'est toujours bien de tester les trucs et de soutenir quand même ces petites boîtes qui ont fait du très beau boulot par le passé. Mais je pense que les logiciels météo pour Flight Simulator, pour le moment, ils sont peut-être pas nécessaires. Et en tout cas, ça semble compliqué à faire. Voilà. Je parle bien des logiciels météo en temps réel. Hein. Je pense que des logiciels comme REX ou voilà peuvent peut-être avoir leur utilité pour une météo complètement voilà pour avoir un temps plus vieux orageux et tout ça. Moi, j'ai pas testé là-dessus. Quoi. Voilà. Et en même temps, ça reste un jeu aussi. Donc, le temps réel est toujours. Relatif. Alors, c'était la question, soit c'était Pikinox qui est posée, ou Louis Perron, je ne sais plus, qui disait est-ce que ce jeu est réaliste ou pas ? Est-ce qu'il se rapproche. Dire qu'il se rapproche de la réalité, je pense que oui. Après, le problème, c'est qu'il attire aussi une communauté très diverse et variée. On l'a vu dans l'Asgari, c'est qu'on voit arriver des gens qui ne sont pas du tout gamers. C'est la simulation qui les intéresse, qui côtoient du coup des gamers qui sont là plus en mode. Voilà, on joue quoi. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Ça se passe bien, mais ça doit pas être facile pour des développeurs, je veux dire, d'allier un petit peu les deux. Je trouve quand même ils ont fait une belle synthèse sur Flight Simulator. Ceux qui font de la vraie simulation, je pense, sont un peu frustrés par rapport à certaines choses. Regardons le verre à moitié plein, quoi. Et Serena le confirmera. Je pense qu'on a un des meilleurs simulateurs qui existent, si on enlève tout ce qui est bug et qui peut enlever, mais je pense qu'en termes de sensation de vol, c'est pas mal quand même. Absolument. Voilà. Ouais, y a un truc qui m'étonne, je suis en train de voir ça, c'est que on a beau avoir de la météo avec une densité de nuages, tout ça, on a les mêmes nuages. J'ai regardé, t'es un peu derrière moi, j'avais exactement les mêmes nuages que toi, positionnés de la même façon en fait. Alors que dans n'importe quel jeu multi, on aurait pu avoir. Des nuages avec une densité, un truc aléatoire généré par le PC du joueur, mais là on a exactement les mêmes en fait, aux mêmes emplacements, ça c'est ouf. Et tu fais bien de le dire aussi, je pense très honnêtement, on ne se rend pas compte à quel point le multi, qui est quand même facile, même si là on a eu quelques problèmes, le multi complexifie le développement à fond, je crois. Voilà. Et on l'a remarqué, hein, souvent, pour régler un debug qu'on avait il y a un mois, il fallait couper le multijoueur. Quoi. Parce que, alors moi, j'y connais rien, mais il y a les problèmes de synchronisation, le problème de serveur, et les problèmes de test à grande échelle aussi. C'est facile de tester un jeu qui est uniquement solo. Ah, vous le testez chez vous, voilà. Quand vous êtes, voilà. Mais quand vous êtes 40 à tester le jeu, comme ils avaient dit chez Asobo, plus difficile de faire un test à grande échelle. Ou alors il faut revenir à des systèmes de bêta comme ils font avec la VR en ce moment. Il faut revenir à ces systèmes là. On peut totalement dire ils ont sorti le jeu trop tôt. Moi, aucun problème avec ceux qui disent ça. Peut-être. Bon, ça nous aurait bien embêté. En même temps, ceux qui râlent pour le jeu qui est sorti trop tôt rouspètent aussi parce que Cyberpunk est encore repoussé à fin décembre. Voilà, donc bon, à un moment, il faut savoir quoi. Non, mais je rigole, mais voilà, je dis, on n'est jamais. Voilà. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir tout de suite et je comprends. Globalement, moi, vous connaissez ma position. C'est vrai que là, par exemple, avec là, les nuages, là, c'est pas beau. Mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Voilà. Et après, je regardais l'excellente vidéo de notre ami Kero sur sa reconstitution du crash. Très bien d'en parler. À New York, et du coup la vidéo d'après qui m'a été proposée par YouTube, c'était le même genre de truc mais fait sur X-Plain. La différence, elle est tellement énorme entre les deux qu'on oublie parfois un peu la beauté du jeu qu'on a de base, quoi. Donc c'est toujours améliorable certes, mais c'est incroyable quoi le niveau de réalisme qu'on peut avoir sur ce jeu, quoi.
Je vais revenir là-dessus. Topal Geek, moi qui n'ai jamais joué à un jeu de simulation, c'est le premier qui me fait passer à la caisse et je prends vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Ils ont réussi quand même cette, cet accueil beaucoup moins austère. Oh, je vais parler d'X-Plane après. Cet accueil beaucoup moins austère pour les joueurs qui n'y connaissent rien en fait. Voilà. Pour les nouveaux en fait. Tu n'as aucun nuage, visible. À mon avis, tu dois avoir un bug de météo. Bonsoir à tous. Salut, Eki. Il n'y a pas de crash, évidemment. Jamais de crash. J'espère que tu vas bien. Moi, je trouve dommage qu'il n'y ait pas de fumée, de traces de condensation, d'essai de série. Bien, c'est prévu. Hein. Ils travailleront dessus. Ils l'ont dit. Aux dernières nouvelles, le monde, ce n'est pas fait en un jour. Il faut juste cette patience. Ici, c'est fait en 7 jours. Ici. Mais pour ceux qui trouvent que ça ne va pas assez vite, je les invite à monter leur propre société et de faire eux-mêmes le jeu qu'ils veulent. C'est vrai. C'est pas mal. C'est pas faux, attendis. Sur. Non, mais. Vas-y. Sinon, le jeu ultime de simulation, c'est Star Wars Squadron. Hein, c'est... Alors, plus sérieusement, la comparaison avec X-Plane, c'est quelque chose que j'entends. Voilà, je fais un petit point, voilà, parce que je lis quand même pas mal ce qui se passe sur Discord et les forums à gauche à droite, alors qu'on survole la Jamaïque. Voilà. À mon avis, les nuages qu'il y a au-dessus, c'est pas la météo. Hein. Pardon. Mais... surtout grâce aux réglages pour les débutants, se permettre de comprendre du tapis les modules. Voilà, ils ont vraiment réussi ça. Et on compare souvent avec X-Plane en disant mais X-Plane le fait, DCS le fait, etc. Et je, oui, il y a des choses à améliorer. On n'est pas dit qu'on. Je n'ai jamais dit même quand je testais l'alpha et quand j'attendais Flight Simulator, j'ai jamais dit qu'on allait avoir le meilleur jeu du monde. J'étais très enthousiaste parce que j'adore voler dans des avions. Mais je pense que quand on a présenté ça, et d'ailleurs la Flight Simulator est nominée pour recevoir un prix de meilleur jeu dans quelle catégorie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne doit pas recevoir de prix parce que ça va encore faire penser... Enfin, si, il va recevoir des prix, hein, je ne dis pas le contraire. Mais arrêtons de faire croire que c'est le meilleur jeu du monde. Parce qu'il doit encore être amélioré, il y a plein de choses à faire, le boulot est dingue. Mais arrêtons de faire croire que tout va bien. Non, 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 il y a des choses qui ne vont pas évidemment et qui rajouteront et qui doivent améliorer. Moi, j'ai testé X-Plane il y a un an, avant l'annonce de Flight Simulator. Je suis arrivé dans X-Plane, donc jeu 2019. Excellent simulateur, je n'en doute absolument pas. Je pense que si on prend le temps de s'y pencher, on arrive à des trucs... vraiment énorme comme on pouvait avoir sur P3D ou sur Flight Simulator, disons que j'ai rien contre X-Plane. Mais je suis arrivé là-dedans, j'ai passé 3 jours, pardon, de quelques heures par jour à essayer de configurer les touches de mon OTAS. Je n'ai trouvé pour le X52 Pro, de mémoire, je me souviens plus, je sais même plus s'il y avait un modèle pour le X52 Pro, je n'ai rien compris. Voilà. Alors, certains ont eu ce problème sur Flight Simulator. Certains ont encore le problème de configuration de touches. Mais là, on est quand même sur un jeu que j'ai trouvé très austère au niveau des menus X-Plane, que j'ai trouvé très austère au niveau de la configuration des touches. Et je peux vous assurer que si j'emmenais ici mes collègues sur X-Plane, ils se diraient ah, « Mais j'arrive pas à configurer le truc, c'est trop compliqué. » C'est le genre de jeu, vous voyez le menu, vous dites « Je m'en vais. » Voilà. Donc, je dis pas que X-Plane est très mauvais. Je dis que ceux qui viennent me dire que X-Plane c'était mieux, il faut se rendre compte un petit peu de quoi on parle aussi. Je pense qu'X-Plane est mieux en termes de... Mais parce qu'il est plus mûr en termes, par exemple, d'Airbus, de 737, de ceci, de cela. Vous avez trouvé de meilleurs avions, c'est normal. Il a 3 ans ou 4 ans. Donc c'est normal qu'il soit meilleur, et tant mieux. C'est-à-dire, donc ceux qui veulent la simulation très réaliste en IFR et qu'ils en foutent des paysages, restés sur X-Plane et attendez un petit peu avant de venir sur Flight Simulator. Ça, c'est totalement normal. Mais... il faut se rendre à l'évidence, et c'est pas être trop subjectif que de dire que sur beaucoup de points, Flight Simulator dépasse tout ce qu'on a déjà vu depuis le début, en fait. Voilà. Avec beaucoup de défauts. Mais encore une fois, faut être objectif, je pense. Steve Fighter, ça passe. Cadron, il y a quand même pas mal de boutons à régler. C'est vrai. Salut Watchdog. Topal Geek, pris dans la catégorie FPS devant Call of Duty, c'est ça. Faut surtout ajouter la fonction replay. Ça aussi, c'est en train d'être prévu. X-Plane est plus hardcore, mais moins beau. Oui, est plus hardcore, mais à quel prix? Comment était X-Plane à sa sortie? Et à quel prix? Mais pas le prix financier, quoique. Les add-ons sont peut-être pas tous gratuits. Et bon, ça, c'est pareil sur Flight Simulator aussi. Et puis, à quel prix en termes de prise de tête, quoi. Voilà. J'ai réagi exactement comme toi quand j'ai testé X-Plane. J'ai trouvé ça tellement compliqué que ça m'a dégoûté. Ouais. Alors voilà, je pense que vous avez été tous ensemble en commu, on aurait pu le faire. Et il y en a qui arrivent à très bien faire tourner X-Plane. Mais il faut se rendre compte aussi du défi, de l'objectif de Microsoft.
Et c'est quelqu'un qui a passé, et on a tous fait ça, enfin pas tous, mais ceux qui ont joué sur plein d'autres simulateurs, on a passé des heures à configurer Flight Simulator 10, configurer les touches, les fichiers, les ceci, les patati, les patata. Donc voilà, on n'a pas peur de faire ça. Mais X-Play n'a pas échappé à la règle, P3D encore moins, et Flight Simulator n'y échappera pas non plus. Moi, je me suis fait une petite liste sur... sur un papier de tout ce que je dois lancer avant de commencer un vol, quoi. FSUI PC, Navigrave, le pushback, le truc qui améliore, qui augmente la vitesse de vol, sim toolkit, self-loading, cargo, aller voir les heures UTC, voir si ça correspond bien avec le jeu, etc. quoi. Voilà, quoi. Et exactement, je suis totalement d'accord avec toi, Pépé. Je n'oppose pas les deux en termes de... Je vais dire... je réponds... Ce que j'ai fait là, c'est que je réponds juste à ceux qui me disent « Oui, mais X-Play, c'est mieux. » Non. Je reconnais, et ça, je le dis, X-Play a encore plein d'avantages par rapport à Flight Simulator, c'est vrai. Et rien que par les avions qu'ils proposent, etc. Donc ça, je dis pas le contraire. Vraiment, je dis pas. Salut, t'as fait bon courage. Petite question bête, est-ce que certains avions de chasse seront prévus? Alors, il y en a un premier qui... Alors, c'est pas vraiment, je sais pas si on peut appeler ça un avion de chasse, mais il y a le... Vous allez me... L'avion italien, là. L'avion italien. Mais help me, là. L'Alpha Jet. C'est l'avion italien, quoi. C'est bon. C'est l'Alpha Jet italien. Alors que voici Kingston. Je pense que c'est Kingston, ici. Non, c'est pas Kingston. Si, c'est Kingston. Oh. Moi je vous dis bonne soirée. Et bonne soirée, à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Bonsoir. Et c'est Kingston, effectivement, voilà. Non, c'est pas le spaghetti, on va revenir au-dessus. Mais il y en a, voilà. Il y a un avion de chasse, effectivement, qui actuellement existe. L'Air Maquis, voilà. Qui coûte 25€ sur SimMarket, tu parais-tu le sens pas à utiliser. Voilà. Maquis. Mais si vous voulez vraiment un bon jeu d'avion de combat, je pense que DCS fait l'unanimité. Mais aussi, je pense que n'imaginez pas rentrer là-dedans et piloter du jour au lendemain, ça, c'est clair. C'est ça, il faut de la patience. MFS est plus grand public aussi. C'est peut-être ce qui fait aussi son défaut pour certains. Attention à ton micro. Je l'étais sur un PC d'un pote, du coup, c'est pour ça que je pose la question. Ok. Mirage F16, non, il n'y en a pas encore des bons. Quoi. Et merci Worski pour ce deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Le jour où je kifferais vraiment, c'est quand ils mettront le Spitfire dedans. Je pense qu'il doit y avoir une raison pour laquelle ça tarde un petit peu. Je pense qu'ils doivent s'adapter aussi à MSFS et il faudra attendre 2021, 2022. Voilà. Ok, moi j'ai pas d'expérience sur RDSS. Super dur, DSS, ça dépend des avions. Ok. Voilà. Voilà, c'était le petit avis d'Asgard sur la situation de la simulation de vol. Voilà, ça n'engage que moi évidemment. Et il y a certainement plein de conneries dans ce que j'ai dit, mais c'est un état d'esprit que je voulais partager en tout cas avec vous. Quoi. C'est sur SimMarket qu'on peut acheter le Air Maquis. SimMarket, c'est un site sur lequel, si vous prenez goût à la simulation de vol, vous aurez l'habitude d'aller. En tout cas. Le Salvador, on est ici au-dessus des côtes du Honduras. Avec une mer de nuages, par contre, assez impressionnante. Et pour le coup, ouais, plutôt bien faite. Quelques détails près. Voilà où l'on se trouve. On est en train de rentrer donc au-dessus du Honduras, frontalier avec le Salvador. Atterrissage prévu toujours piste 25, même si tout le monde a la piste 7. Ce qui ne correspond pas. J'ai une VORPME piste 7. Par okay. contre, l'approche elle est pourrie, hein. En 747 ça va être chaud. Non, t'es encore en 747 pourquoi changer? Ah oui, c'est vrai. Il m'a fait faire deux virages à... Ouais, à plus de 150 degrés, là, c'est chaud. Donc je confirme, hein, piste 25, on est bien devant 230 nœuds. Il n'y a aucune raison d'avoir la piste 7, en tout cas dans ces conditions-là. Même si la piste 7 vous fait arriver par la mer, hein, je pense, c'est ça? Par l'océan. Ouais,
Il fait pas du tout une boucle sur l'océan, il fait la boucle dans les terres, là, ça fait deux virages. J'arrive pas à trouver une... Je vais rester sur la 25, moi. Je vais rester sur la 25. Je crois que je vais rester sur la 25, parce qu'elle est vraiment fourrie, là. Tu veux pas jouer RP, non? Ouais, non, mais là, non, c'est juste pas possible. Elle est horrible. Alors, vous avez ici la photo de la Plaza Morazan. Voici le Salvador. Et sa capitale, San Salvador. La ville de... Ah, c'est formidable. Alors, désolé pour Twitch sur le chat. J'ai eu une petite coupure chat. Donc, si certains ont parlé depuis 22h12, n'hésitez pas à remettre vos messages. La ville de San Salvador, c'est dans la capitale de la République du Salvador et le chef-lieu du département du San Salvador. La ville était baptisée ainsi au nom de Jésus-Christ sous le nom de Divino Salvador del Mundo, le divin sauveur du monde. Population de 290 000 habitants, située dans la vallée des Hamacs. Selon les nombreux tremblements de terre que connaît la région vallée de la Samascas et au pied du volcan Quetzaltepec, la montagne de l'oiseau Quetzal, qui fait 2000 mètres d'altitude. On aura d'ailleurs, devrait donc avoir une visibilité sur ce volcan depuis la ville. Vive le président Asgard, exactement. Bon, moi, je vais me donner la R9 X25. Ah ben voilà, c'est sûr que Serena, je vais l'avoir aussi alors. Que dire par rapport à la ville, l'aéroport international du Salvador MSLP. Donc c'est l'aéroport international Monseigneur Oscar Arnulfo Romero y Galdames do Salvador. Oh mon dieu. MSLP. Voilà, vous voyez donc ici. C'est là donc qu'on va atterrir. Ville principale. C'est la principale ville du pays, la seconde ville la plus peuplée d'Amérique centrale après la ville de Guatemala. Vous avez des vols vers le Mexique, le Canada, les États-Unis, Madrid aussi, le Pérou, Amérique du Sud en général. Et donc, mais je pense que le seul vol international, enfin intercontinental, on va dire, se situe donc évidemment vers Madrid, Barajas avec Iberia. Ça a l'air assez joli aussi comme ville, quand on regarde les différentes images. C'est des villes très colorées, hein, en général aussi, très très religieuses. Hein. Ça s'en étonnera pas. Il y avait eu un tremblement de terre en 2001, là. Ça, c'est moins drôle. Le stade Kustalkan avec donc le volcan qu'on voit toujours derrière. Merci Noledjou, merci Ace, merci Nick Studio. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui viennent d'arriver là. Ça fait très 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 plaisir. Alors qu'on continue ici notre route donc vers le Salvador. Voilà. Alors qu'on vient d'avoir la visite de Max1116 sur Twitch. Simulation de train. Il me fait descendre à 300 à l'approche de Tirna. C'était ce que j'avais prévu. Du coup, on y va. Engager le mode d'attitude sélectionné. Moins 2500. C'est vrai qu'on y est déjà. Ça va très très vite. Mais j'ai prévu d'être à nager là, 22 000 pieds. Donc là, pour le moment, je vais... Voilà, je vais gérer, quoi. Merci, merci Max. Mais je devrais te faire découvrir aussi. Je le ferai avec grand plaisir. Voilà. Merci Xenao, merci PXL. Alors normalement, vous l'avez, ça. A priori, vous l'avez. Donc, arriver sur San Salvador dans 12 minutes, ça sera un peu plus long. Hein. Ça sera un peu plus long parce que je vais ralentir. Assist the cabin crew by tidying your tray and handing them any litter as they come around. It would be most appreciated. And make sure
fasten your seatbelt. For safety reasons, please turn off all electronic devices or switch into airplane mode until after we've landed. Please note the aircraft toilets are now out of use. Thank you. Très sympa quand même. Et vous voyez ce son là très spécifique. On approche de Nagel, on n'a pas beaucoup avancé. C'est des paysages superbes. C'est des pays qui au niveau des paysages font quand même rêver. Et pas que pour la mer ou l'océan. L'océan Pacifique qu'on aperçoit derrière d'ailleurs. Et à mon avis, là-bas, on doit avoir le fameux volcan dont on parlait tout à l'heure. Avec les Quetzalcoatl. Et évidemment, pour la pluie, on repassera. C'est ce qu'on disait. Ouais. Mais je suis timide sur la vitesse de descente. Ouais, c'est vrai. Parce que, voilà, j'ai encodé... je veux pas descendre trop vite. Because relief, il faut que je fasse gaffe au volcan évidemment. Je veux pas descendre trop vite. Quoi. C'est ça, voilà. Non, mais j'ai avec les charts, avec les cartes, j'ai mis des points en fait. Voilà, j'ai vu certaines choses. Et ce qu'il y a de génial évidemment, c'est que pour la star, on peut voir en overlay l'approche et ça c'est génial quoi. Vous avez donc la carte, et dessus, ça superpose les charts. Et ça, c'est quand même vachement bien foutu. Voilà. Là, il dit 8000 pieds, mais ça paraît beaucoup. Pour certes, ceux qui sont passés, ça paraît peu. On va se mettre à 280 en vitesse sélectionnée. Un peu accéléré ici. Ouais, Navigav est très cool. Ouais. Bon, après ça, c'est l'option un peu payante. C'est pas toujours donné, mais voilà. Zébulon, je crois que je vais prendre l'abonnement des charts sur Navigraph. Un jour, les gens, ils vont croire que je suis payé. Non, désolé, c'est réglage fond en stream est vraiment pas facile. Essaye de faire au mieux. Ok, on arrive à 22 000 pieds, je vais autoriser le 16 000. À Touma, j'avais prévu du 12 000. Je m'étais dit 12 000. On va faire ici. Mettre les ceintures. J'ai prévu une arrivée vers 15 h. En heure locale, là, il est même... ouais, ça sera tout juste 15 h. 15 h, 15 h 30. Vers 15 h 15 plutôt. C'est un abonnement par mois, hein, les cartes navigables. Alors moi, j'ai pris à l'année... J'ai payé 90 euros pour un an. En fait, il y a deux types d'abonnements. Je crois que le premier abonnement ne donne juste accès qu'aux ERAC. Mais les cartes, par contre, il faut 90 euros. Mais c'est mis à jour, ça s'adapte à vos programmes. Il y a un suivi de vol en temps réel. C'est quand même très très bien fait, quoi. Voilà. Il va nous faire gagner des abonnements. Non, mais c'est le monde de la simulation, hein. Qui est comme ça. Oh, ça a l'air magnifique comme région. L'approche est belle, moi je suis sûr. Ah ouais, ouais. Sûrement plus de soleil parce que j'étais un peu trop, c'était dans la nuit. Et là, c'est super chouette. C'est magique, hein. Et ce volcan là qui. Ça le tourne super bien en plus avec l'approche. C'est... Ouais. Oh là. Quand t'es pilote et que t'es habitué à voir ça... Pro là là...
le plus beau bureau du monde. C'est ça. Faites attention aux altitudes, hein, parce que c'est très bizarre le, l'ATC. Surtout sur Sky Vector, je vois que la tranche par laquelle on arrive, c'est entre 7004 et 8100. Ouais. Donc attention. Cherche les pyramides. Prochain vol dans l'Asgari, ça sera le vol tour dimanche soir, justement, au départ de l'Égypte pour remonter vers la Jordanie. Dimanche soir, demain, soirée Halloween. Halloween okay. Du coup. Alors, 29,94 pour le QNH. Atterrissage réussi pour moi. GG. Bravo. À mon avis, s'il m'a fait descendre si tôt, c'est peut-être bon signe. Personnellement, il m'a proposé la piste 25, mais en VOR. Oui, oui, bon, ça c'est pas. Tiens. Je m'en contenterai. Oui. C'est peut-être qu'une visie pareille. Moi, je vais voir si mon Boeing suit bien l'aéronave, sinon je vais prendre à la main. Ok, il va nous demander 3600 pieds, je vais prendre du 5000. Vous me confirmez que pour suivre l'aéronave, il faut, quand elle est disponible, il faut mettre la VNA. Ouais, je pense, je suis pas sûr. Mais oui, je pense. Je pense que c'est logique. Enfin, que tu aies que tu aies le hold ou pas. Vous avez atterri ? Non, 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 on est en pleine approche, le Pikinex. C'est un volcan, oui. Oui, c'est le volcan Quetzal. Enfin, il porte un nom un peu plus compliqué. Super beau. Donner un coup d'aérofrein là. Que l'avion ralentisse. Fred, il est pas en vocal ? Attends, Pikinax. Pardon. Hop. Quand même l'impression que les aérofreins réduisent beaucoup moins, n'ont servi à rien. Bon, atterrissage réussi pour moi aussi. GG. Tiens, c'est bizarre. La VNAV, ça joue sur la vitesse ? Oui, hein, parce que la VNAV, ça suit ton plan de vol vertical et il adapte la vitesse, j'imagine. Je sais pas. Bon. J'aurais tendance à dire oui, mais je peux me tromper. Je sens que ça va se finir à la main, cette affaire. Ouais, moi, je vais devoir aller beaucoup plus vite dans ma descente. J'ai dû finir à la main, personnellement. Là, c'est tout droit. J'arrive... pas arriver à ralentir l'avion là, je pense. Je vais essayer, mais il y a bien du mal à ralentir. 4 degrés. À 4 nœuds. Il y a bien du mal à ralentir. Alors, je vais avoir besoin qu'il ralentisse un peu. On va passer en dessous de 10 000 pieds. J'ai l'impression que les aérofreins font pas grand chose. C'est une impression. Je vais arriver à 3000. Ça va être l'objectif. Ouais. Bah bon, après, c'est la version en développement. Peut-être qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas trop.
ça a l'air de marcher. Je sais pas, franchement là je sais pas, je vais d'abord essayer d'atteindre les 3000 pieds, on va voir ce que ça va donner après. Je pense que je vais arriver à le ralentir, mais tout juste, hein. J'ai un peu trop été optimiste sur le... Bon, ça a quand même dû se finir à la main, perso, pour moi. Ok. Bon, il a l'air de bien suivre, hein. Enfin, j'ai utilisé beaucoup l'autopilote, mais j'ai dû beaucoup le régler moi-même. Non, suivre bien, il suit bien. Ça va aller, je pense que ça va aller. Je vais arriver aux 3000 pieds. J'avais. Mais il va trop vite, au fait. Il va trop vite. Je vais enlever ceci. Pas qu'il descende trop, par contre, je vais rester à 3600. Ok, j'ai bien la 25. Ok, là on va l'aider à ralentir quand même. Mais faut qu'il ralentisse là. Alors qu'on a le volcan, mais juste à côté. C'est compliqué, je vais mettre un cran de volet. Je suis bon pour faire un tour. Non, je pense que ça va le faire. Encore du mal à gérer les moteurs, hein, sur cette approche. Il a vraiment encore du mal à gérer les moteurs. Je vais accrocher la nav. Je suis désolé, hein, si je suis pas. Et salut, monsieur Toupic. Si j'arrive pas super bien à suivre le chat, ça va aller. Je vais y arriver. Mais le bruit dans le cockpit est assez. C'est assez bizarre aussi par rapport au bruit des moteurs. On va mettre l'approche ici. Ok, c'est bon, je pensais jamais arriver. Donc là, il l'a accroché. On va repasser. On va mettre à 160. Ok, nickel. Ouais, on sentait du stress. C'était pas spécialement simple. Plus, voilà. Mais là, je pense qu'on est bon. C'est magnifique, hein, comme... Ça se passe pas comme prévu.
Voilà. Il prend le glide. Il descend tout seul. C'est bon, on est pas mal. On va mettre full volet. Ah, les vitesses d'approche sont beaucoup plus basses aussi. Hein. J'ai pas tout encodé, mais... Ok, on va descendre à 140. Même du 135, ça me rappelle plus ce que j'avais sur... dans les Airbus Aerosoft. Merci beaucoup, Pieroski, merci beaucoup. Bon, là, l'ATC suit plus, là, même si j'ai eu... Même si j'ai plus du tout l'ATC là. C'est une galère. Ah bon, là je peux pas louper la piste. C'est pas mal. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Et désolé, hein, sur Twitch j'ai loupé plein de messages, mais la vie des passagers d'abord évidemment. Et vous êtes les passagers. Poser, hein. Nickel, ben moi je vais me poser là. Il a l'air plus réaliste en tout cas en termes de vitesse cet avion là. Et la TC qui me demande toujours de monter. C'est pas grave. Dans 10 minutes à non mais... En fait je suis descendu à 3600 puis à un moment il faut que je descende à 3000 parce que j'avais lu ça sur les charts. Et du coup il est pas content quoi. Alors, merci Sora, mais ça je suis pas sûr. Est-ce que la 32NX, il est moins maniable chez vous aussi ou pas? Ça dépend vraiment, mais il est plus réaliste, j'ai l'impression. Mais bref, concentration. C'est en auto là? Attends. Ah bah je vois Serena, Storm, Ben, Ninja. Ah c'est cool. Moi je suis là, mais je vous vois pas. Donc. Okay. Toute seule. Salut Lipo. Ils t'ont répondu self-loading cargo, ouais. Exact. Hein. J'ai encore l'impression qu'il est super bas en fait. Ça vous donne pas cette impression là aussi? Une impression, mais ça le fait. C'est pareil, l'approche était basse, mais au final, ça l'a fait. Ouais, absolument. J'ai atterri vraiment comme une fleur. Hein. Les papilles, il y a trois rouges, un blanc quand même. Mais voilà, je vais. On va dire ok. Je m'en vais très vite de la piste. Pardon, Asgard, désolé. Ok, ça a été très compliqué. Mais j'ai vraiment été perturbé, Mais c'est pas si mal que ça. Ils ont eu peur parce que j'ai vraiment... J'ai eu du mal à leur prendre en main. Mais remonté, en fait, ça t'a ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai vraiment eu peur alors qu'il y a Fred là-bas. Donc désolé. Mais par contre, le posé était pour bon, moins 418 FT. Mais oui, oui, en version dev, il fonctionne, ouais. Et même en version stable, il fonctionne. Génial. Le nez dans le hangar. Et mesdames et messieurs, bienvenue à San Salvador. Très chouette approche. Hein. Et on regarde le volcan derrière et tout, ça correspond bien aux images qu'on avait vues, quoi. Non, non, j'étais pas un peu trop vite. Non, non, en fait, j'étais proche du sol et merci Soros, mais c'était pas... Voilà. Les passagers ont cligné, pas à cause d'atterrissage, ils ont cligné à cause du... Bah, j'ai fait un couvert de l'avant, un couvert, voilà. Merci Max, hein, merci beaucoup.
Non, je suis content. En fait, l'impression de vitesse, c'était au sol parce qu'on était quand même assez bas, quoi. Merci à Idrim, merci à tous ceux qui m'ont follow, qui ont fait des subs et tout. Merci beaucoup. Mais quel beau paysage! Ah non, il y a un 747, mais qui gâche toute la vue, quoi. C'est ma place, t'as qu'à pas passer là. Avec l'atterrir et sortir avant. Voilà. C'est ça. Comme tout le monde. Et merci Max, merci beaucoup. Hein. Ouais, je pense que l'aérnav était quand même un peu basse, quoi. Mais bon, c'est le pilote du 747 qui m'a dit que c'était bon, donc j'ai fait confiance, mais voilà, quoi. Non, mais c'était bon, effectivement. C'était bon, mais... J'ai stressé. J'ai vraiment stressé. Je m'attendais à ce que tu rebondisses, vu comment c'était remonté et que tu t'es redescendu, et au final, même pas trop. Non, j'ai pas rebondi. J'ai rebondi dans l'air, en fait. T'as refait un beau petit arrondi, au c'est final, ça. Vu comment l'approche que t'avais, ça... C'était moins pire que ça ne l'aurait été. Bah autant, voilà, il faut les amuser un peu, tu vois. C'est en difficile et tout. Allez, porte 20 pour ma part. Ah, mais super paysage derrière. Dans l'aviation générale, en grande scène. Il doit être Et Phasmophobia arrive aussi, hein. Phasmophobia arrive. Préparez-vous. Luc tout seul dans un asile. Oui, mais ça me dérange pas, ça c'est juste si long, quoi. Non, je rigole. C'est vrai que c'était long, hein, hier. Mais non. C'est chiant un petit peu. Vous savez ce qu'on dit, hein. Dis quoi? Non, rien. Très très joli atterrisse, très joli. J'adore cette vue avec le volcan derrière. Moi. C'est tellement beau. 81% de satisfaction. Bonsoir Tarantis. Très bien. Et aéroport facile. Mais ça, Haïti, c'est la même chose. Hein. Une piste, un taxiway, les portes. Bim. Ouais. Haïti, c'était même la piste qui servait de taxiway, non? Je dis Haïti. Rien compris. C'était même la piste qui servait de taxiway. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai, ouais. Oui, c'est un peu meilleur ici. Ok, du coup, on va mettre le frein de parc, c'est fait. Dans les services au sol, on va demander le détachement. Ah bah, ils sont en train d'attacher la passerelle. On va ici continuer. Ah, j'avais pas éteint l'alimentation externe, ok. J'étais debout sur le frein pour pas sortir de la piste à l'arrivée. Et donc, porte 20 ici. Ça rappelle d'autres jolis paysages, évidemment, dans cet Asgari Airlines. Voilà. Écoutez, sur YouTube, moi, je vais vous laisser là. On va continuer sur Twitch, évidemment. Merci, YouTube, d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ceux qui ont participé à cette vidéo YouTube dans de très bonnes conditions sonores. Merci beaucoup. Et on se retrouve, évidemment, pour d'autres aventures sur YouTube très, très bientôt. On continue sur Twitch. Au revoir, YouTube.